richesse que cette personne-là a doit être quelque chose d'important pour la jeunesse, quoi. Voilà. Vous dites minimiser. Comment est-ce que ça se manifeste autour de vous? Vous avez des expériences autour de vous. Est-ce que on peut savoir comment est-ce que ça se manifeste? On l'écoute pas, on rejette cette personne-là ou cette personne a du mal à s'intégrer? Ben, en fait, on rejette cette personne-là parce qu'avec la modernisation, les jeunes ont beaucoup peur de la sagesse. Ça, c'est la vérité, c'est le mot à dire. Une personne qui a pratiquement 50, 60 ans est une personne qui a vécu beaucoup de choses. Et la jeunesse, quand elle est en face d'un interdit, automatiquement, elle voit cette personne d'un autre œil. C'est un peu ça le problème ici. Et concernant le côté où on traite les personnes âgées de sorcières, tout et tout, en fait, il faudrait que les gens comprennent que c'est normal. Une vieille personne est considérée comme un enfant. Elle est considérée comme un enfant. Quand quelqu'un a 60 ans, elle ne peut plus partir. La personne ne peut plus partir au champ. La personne ne peut plus faire tout d'elle-même. Et là, elle est fragile, elle devient comme un bœuf. Et parfois, la frustration fait que ces personnes-là se tournent vers des pratiques un peu malsaines. Mais hormis cela, il faudrait que la jeunesse prenne conscience du fait que les personnes âgées sont des richesses qu'on doit valoriser. C'est trop beau quand on voit une jeune personne, un adolescent ou bien un jeune couple avec une personne âgée à côté. C'est trop beau pour les gens qui fréquentent les endroits. Vous verrez que c'est toujours magique, franchement. D'accord. Merci. Et, excusez-moi, parce que là, c'est pas le sujet, mais tout à l'heure, j'ai entendu la conversation avec M. Madina, si je ne me trompe pas. Monsieur, c'est dites, on a un problème de stabilité avec le son. Hein. Vous oui, dites... en fait, je demande, j'ai entendu tout de suite la petite altercation entre M. Madina sur votre gauche. Il y a deux personnes, en fait, je ne connais pas. J'ai oublié un peu le nom. Je voulais juste lui dire que le Rastafari, c'est une logique, c'est vrai. Mais on est en Afrique et la vérité est la suivante. L'herbe dans le Rastafari, ça existe. Bon, on a un sérieux problème. On a pas du tout saisi. On s'en excuse. Hein. On a okay. Un retour. Pas du tout confortable. Merci beaucoup. Bon, elle a tenté de recadrer les choses par rapport à Rastafaris. 22-42-54, madame, monsieur, le sujet est devant vous, les personnes âgées sur le continent africain. Est-ce qu'il s'agit pour vous de richesses minimisées? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces richesses-là soient révalorisées? Allons sur la toile, Fatou, avec ta permission. Abdoulaye Mido Konaté, les personnes âgées constituent ici en Afrique une bibliothèque de comptes. Or, ce qui ressort des comptes sont en général des valeurs sociales, de mode de vie qui nous servent toujours de modèle pour être, pour notre bien-être social, d'où une vie décente. Une autre réaction avant de passer la parole à Seydina Bafetege Dembélé. Les personnes âgées constituent une bibliothèque qu'il faut toujours consulter. Avec ceci, on peut avancer par rapport à un repère vers le développement. Voilà, une autre personne qui n'a pas beaucoup d'opinion sur le sujet, mais qui trouve qu'il y a un changement. Alors, Seydina, est-ce qu'il faut forcément accuser ceux qui ont une peur de ces personnes âgées? Parce que lorsque le guide spirituel vous dit de vous en méfier, bon, il y a un comportement qu'on adopte, il y a un comportement qui va avec ça aussi. Bien sûr. Mais si vous me le permettez, je voulais rebondir sur ce que Bidefe a dit ici la dernière fois, le mercredi passé, concernant la mise élue à Paris. Je voulais revenir là-dessus. Puisque vous serez là mercredi. Oui, non, je voulais. Ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Il sera là mercredi. Ok, donc s'il est là, il n'y a pas de problème. Ok. Bien, en ce qui concerne les personnes âgées, je pense que, entre guillemets, certains pasteurs ont vraiment, vraiment joué un rôle très négatif en ce qui concerne ça. Parce que le fait de traiter souvent tout ce qui est autour de l'homme comme âgé, comme sorcier, ça devient un peu compliqué. Mais maintenant, la sorcellerie, qu'est-ce que c'est exactement? Je pense que peut-être c'est eux qui pourront nous le dire. Mais nous pensons qu'ici en Afrique, si les hommes âgés étaient des sorciers, nous, aujourd'hui, on n'allait pas vivre.
Mais si on est là, je pense que c'est tout à fait anormal de le considérer ainsi. Maintenant, en ce qui concerne la potentialité ou les atouts d'avoir des personnes âgées autour de nous en Afrique, c'est que même si vous avez remarqué, les rois avaient des notaires et les notables. Les notables, c'était des personnes âgées. C'était des gens qui avaient au moins acquis une certaine expérience, qui connaissaient bien ce que c'est que l'erreur, qui connaissaient bien ce que c'est que les avantages, la gloire et autres, qui pouvaient mettre ça à la disposition du roi pour pouvoir mieux gérer la société. Donc je pense que les personnes âgées sont des gens qui sont aguerris pour pouvoir prévenir beaucoup de situations de conflit, beaucoup de situations de, qu'est-ce que je veux dire, des actions qui vont peut-être venir gêner un peu la cohésion sociale. Je pense que les personnes âgées sont mieux aguerries pour pouvoir intervenir dans le bon sens par rapport à ce genre de trucs. Il y a peut-être la fuite de l'autorité parentale aussi pour quelqu'un qui est en âge adulte. C'est ce que je disais la dernière fois. Qui devient personne âgée aujourd'hui? C'est lui qui était jeune hier. Mais qu'est-ce qu'il a reçu comme éducation aussi? Parce qu'il y a ce problème aussi qui existe aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai parlé de l'Afrique avant la colonisation. Parce qu'après la colonisation, vraiment, il y a des personnes âgées, en réalité, qui ne sont pas aujourd'hui des bibliothèques. Là aussi, il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'ils n'ont pas aussi été, peut-être, ils n'ont pas aussi reçu la formation requise pour pouvoir être le sage qu'ils devaient être hier. Donc, il y a ce phénomène aussi qui existe. Alors, donc, je continue. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas la fuite de l'autorité parentale? Voir son père chez soi tous les jours, est-ce qu'il n'y a pas une liberté qui échappe à ce monsieur-là? Donc, il préfère l'avoir un peu loin de lui pour garder une petite marge de manœuvre. Déjà, avoir les parents tout le temps chez soi, déjà, c'est l'éducation africaine même n'accepte pas cela. Vous savez, ce n'était pas pour rien quand tu atteins l'âge de la puberté, on te construit ta case à toi, ton espace personnel, où ton père n'ira jamais jusqu'à entrer dans ta case. Et toujours quand il a besoin de toi, il te convoque et tu viens vers lui. Il te pose les problèmes qu'il a. Vous voyez, aucun père ou mère ne voudrait venir s'installer définitivement. Quelqu'un qui est éduqué dans la culture africaine ne viendrait s'installer définitivement chez toi. Nos parents, quand ils viennent chez nous, quand ils font 2-3 jours à Abidjan, ils ont envie de rentrer chez eux. Ils te disent que... Ils sont à l'étroit. Voilà. Chez moi, je suis chef. Donc, je ne vais pas être sous votre autorité. C'est moi, je vous ai mis au monde. Et peut-être que c'est la distance qui fait qu'ils viennent toujours te voir parce qu'ils ont envie de voir leurs enfants. Mais à chaque moment où un problème se pose pendant qu'ils sont chez toi, ils te trouvent des solutions. Parce qu'ils te trouvent des solutions à l'amiable. Ils ne vont pas forcément briser ce qu'il y a parce qu'ils vont te donner les conseils par rapport à leur expérience vécue. Et ça marche tout le temps. Moi, je viens bien sur la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une science. Elle peut être positive ou négative. Moi, souvent, il y a des gens qui disent, ça commence par ça. Je n'envoie pas mes enfants au village parce qu'il y a des sorciers là-bas. Deux minutes, on ira à Divo, Monsieur Claver est avec nous. Claver, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, l'état des lieux des personnes âgées autour de vous, monsieur Claver. Oui, pas conquis par rapport aux personnes âgées qui sont sorciers et par rapport à l'Afrique. Moi, je pense que d'abord, l'Afrique, d'abord, quand je dis l'Afrique, moi je crois le subsaharien. Aujourd'hui, nous ici, nous les Africains subsahariens, nous respectons d'abord beaucoup les personnes âgées par rapport aux autres cultures, aux autres personnes, je prends l'Occident et d'autres Afriques comme l'Égypte, le Maroc, la Tunisie. Bon, nous en Côte d'Ivoire ici, moi je sais que la majorité des personnes âgées, elles sont beaucoup respectées. Aujourd'hui, quand on parle de la sorcellerie, aujourd'hui, ce n'est pas les personnes âgées qui ont la sorcellerie. Ce sont les jeunes, aujourd'hui, qui en bénéficient de cette sorcellerie-là. Je pense qu'aujourd'hui... Excusez-moi, Claver. Oui. Vous dites que c'est les jeunes qui... Aujourd'hui, la sorcellerie, c'est les jeunes qui le font. Ce n'est pas les vieux qui le font. Quand on dit aujourd'hui que certaines personnes ont perdu des personnes âgées, moi, je trouve que c'est pas vérifié, moi je trouve que
D'accord. Alors, vous croyez que lorsqu'on va continuer à les minimiser, la conséquence peut être laquelle, par exemple? La conséquence la plus immédiate, c'est quoi, selon vous? Non, la conséquence la plus, c'est que Bon, on vous a perdu. On vous a perdu. Diop, vous continuez? Oui. On en était à ce sujet sorcellerie. De sorcellerie. Quand je reviens sur ce qu'il dit, même quand on dit qu'un jeune est sorcier, tout le monde est étonné. Souvent, on va même à ne pas croire. Parce que c'est plus facile d'accuser un vieux pour dire que ouais, il est sorcier. On disait, il y a certaines personnes qui refusent d'envoyer leurs enfants au village, déjà, parce qu'ils pensent qu'au village, il y a des sorciers. Et moi, la seule question que j'aimerais leur poser, si tes parents étaient sorciers, tu penses que toi, tu allais vivre jusqu'à avoir des enfants? C'est ça la grande question qu'il faut poser. Vous voyez? Moi, je pense que dans toute la configuration de nos sociétés, quand vous prenez la société Senoufo, par exemple, la société Bambara, dans les rites d'initiation comme le Komon et ainsi de suite, c'est des groupes de jeunes sont toujours accompagnés par des anciens. Et en Afrique ancienne, on atteignait le titre de sage parce qu'on avait atteint un certain âge et on avait passé toutes les épreuves d'initiation. Jusqu'à 52 ans, on commence à devenir sage parce qu'on avait passé toutes les écoles. Comme on le dit à notre époque, on a passé l'université, on a toutes les connaissances. C'est-à-dire, un sage, c'était celui où tu pouvais venir parler de littérature, de poésie, de science, ainsi de suite. Très bien. Un témoignage sur la toile, facebook.com/ on garde le contact, Ahmed Grand Bouté. Moi, j'ai vécu avec ma grand-mère jusqu'à ce qu'elle décède à l'âge de 109 ans, ce qui fait que j'ai plus d'expérience que beaucoup de mes amis. On va cliquer « j'aime » pour lui, un « j'aime ». Voilà, merci beaucoup. 22-42-54, on part à Biétry retrouver M. Guy. Guy, bonjour. Frère. Ouais, Guy. Ouais, tu m'as manqué. Voilà, on vous a maintenant, M. Guy, on vous écoute par rapport au sujet. Est-ce que vous croyez que les personnes âgées sont minimisées? Et si oui, comment? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour réhabiliter ces personnes-là quand même qui sont une richesse? Et tout le monde est d'accord sur ça. Oui. Moi, je rejoins un peu votre interlocuteur qui est parti tout à l'heure. Oui. Et puis... le petit Senoufo qui est sur votre plateau là, je le rejoins aussi. C'est qui le Senoufo? Je m'excuse, mais les Senoufos sont toujours petits. Voilà. C'est Senoufo. D'accord. Ok, ça c'est un jeu d'alliance. Voilà. Ce que je voulais dire, moi, mon grand-père, j'ai grandi auprès de lui. Aujourd'hui, quand tu es vieux et que tu es pauvre, on te traite de sorcier. Quand tu es vieux et que tu es riche, on dit non, tu es expérimenté, tu es une bibliothèque. Ah oui, ça c'est une autre réalité. Vous voyez? Parce que la sorcellerie en elle-même, c'est quoi? C'est de l'africanisme, c'est-à-dire nous là, on n'a pas de la magie, mais c'est la sorcellerie, si vous voulez, c'est des incantations qui permettaient à chaque... le royaume de se reconnaître en quelque chose. Donc la protection, les soins, la voyance, comme aujourd'hui par exemple à l'église, on te dit, il y a les prophètes, il y a le pasteur. En fait, c'était comme ça dans notre société. Donc il y avait des gens qui avaient la connaissance dans nos différents villages. Et ces gens qui avaient la connaissance dans nos villages partageaient la connaissance avec leur génération. Comme le jeune Senoufo, le petit Senoufo vient de dire tout à l'heure que dans le bois sacré, on partait du CP1 à la terminale. Donc, ils apprenaient pratiquement les mêmes choses jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'initiation. Mais aujourd'hui, ces vieux qui sont en voie de disparition, le fait qu'on les traite de sorciers ont maintenant peur de nous donner leurs connaissances. Donc, ils s'en vont avec. Vous pensez qu'un grand-père serait heureux de faire de la sorcellerie pour tuer son petit-fils, celui-ci qui compte pour sa descendance? Je suis désolé. Bonne question. Je pense que nous devons avoir
un autre œil, une autre façon de voir nos vieillards. Merci beaucoup. Parce qu'en Afrique ici, nos vieillards ne sont pas des clochards comme chez les Blancs. Quand ils deviennent vieux, ils deviennent des clochards. Chez nous, le vieux s'assoit dans son hamac, il s'assoit dans son hamac et puis il attend celui qui va venir vers lui pour lui enseigner la vie. Ouais. Donc, c'est ça. Il faut avoir du respect pour l'âge africain. Parce que lui, il a grandi dans la tradition pure. Quand le modernisme a transformé le vieux blanc. Merci beaucoup. Voilà. Merci Guy. Excellente journée. Excellente journée à vous. 22h40, 12h54. Si vous nous suivez entre midi et 2, donc à partir de 13h, vous êtes en direct. Vous pouvez appeler. Mais si vous nous suivez après 23h, vous ne pouvez pas passer de coup de fil, mais vous pouvez réagir sur la toile. facebook.com/ on garde le contact. Sur la toile, bien entendu, Fatou, si vous permettez. Christ Iriebi dit ceci, ça dépend de quel regard porte la société sur les personnes âgées. Quand il s'agit de personnes intellectuelles qui sont âgées, elles sont bien vues par la société, mais quand on a droit à un analphabète qui vieillit, on le traite de sorcier, alors que ce sont ces personnes qui incarnent la richesse de la culture africaine. Seconde réaction, Edwige Quadio. Bien vrai que les personnes âgées ont des connaissances, on n'est pas négligé, mais notre génération évolue aussi. En même temps avec la technologie, ce n'est pas trop de leur faute si les jeunes gens n'approchent plus les personnes âgées pour leurs sages conseils et coutumes. Moi, j'ai un problème avec le problème de technologie. Parce que technologie intellectuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Un intellectuel, c'est qui? C'est quelqu'un peut-être qui fait un travail de l'intelligence. Alors maintenant, celui qui fait le travail de l'intelligence, est-ce que forcément il a besoin de parler l'anglais ou le français pour qu'on puisse le prendre en compte? Maintenant, la technologie, c'est quoi? Elle parle par exemple de. Oui, il y a pas de connaissances. Je veux dire, des moteurs de recherche comme Google, oui, les dictionnaires. Avant celle-là, il y a un qui a parlé de. L'intellectuel. Oui. Bon, maintenant, quand on parle de Google et autres, bah, attends, qui poste les informations sur Google? Ce sont des hommes. Mais si ces hommes-là sont mal formés, bien, mal instruits. Mais ils vont donner aussi des mauvaises informations. Donc, ne prenons pas le problème de technologie pour bafouer certaines valeurs que nous avons. C'est pour ça que moi, j'ai un peu mal quand on parle de technologie. Je veux dire, il a la même réaction que Guy, qui trouve que lorsque le vieillard est âgé, le vieillard est riche, on trouve que c'est une bibliothèque, parce qu'il y a un intérêt à prendre là-bas. Mm-hmm. Et lorsqu'il est pauvre, on trouve que, Bien sûr, ça c'est pas un comportement africain. Ça part d'une mauvaise éducation. Justement. Parce que si le matériel devient le repère d'un peuple, il y a problème. Justement, c'est ce que Céline a dit. Être intellectuel, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que vous êtes allé à l'université que vous êtes intellectuel? Alors que Céline veut seulement revenir sur la valeur didactique. La démarche didactique africaine, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement qu'on donne en Afrique, que ces vieux l'ont eu, comment ils ont pu entretenir nos villages, éduquer leurs enfants, construire nos sociétés africaines, c'est parce qu'ils avaient une éducation, ils avaient une démarche intellectuelle, parce qu'ils ont utilisé l'intelligence. Je crois que c'est Nav simplement dit que tu peux t'exprimer en français, en anglais, tu peux aller dans les études académiques classiques, mais il y a aussi une école africaine qui existe. Voilà. Et que nos vieux sont des intellectuels et qu'on ne peut pas seulement considérer ceux qui ont l'argent. Parce que si parce que vous avez l'argent, vous devenez une bibliothèque. Et que si vous êtes pauvre, vous êtes un sorcier. De l'argent pour être considéré. C'est un comportement quand même qui est importé. Nous savons très bien ici qu'en Afrique, la valeur, ce n'est pas l'avoir. La valeur, c'est l'être. Alors, ce sont ces genres de valeurs qu'il faut développer aujourd'hui. Il faut qu'on revienne un peu sur ça. Ce qu'on a vécu, c'est que nous n'avons pas anticipé. Ceux qui ont foncé dans le développement, ceux qui ont embrassé le développement pour l'Afrique, n'ont pas anticipé sur les événements comme le vieillissement, le troisième âge et tout ça. Ils ont juste créé une société où on met toutes les conditions. C'est pour ça que ceux qui travaillent ont la retraite, ils sont pris en compte, alors que dans nos sociétés traditionnelles, c'était un peu le communisme à l'africaine. C'est-à-dire qu'on se mettait ensemble pour aller faire le chant d'Ismaël, après on va faire le chant de Seydina, après chez Aristide ou bien chez Mohamed. Mais aujourd'hui, nous sommes allés dans le développement, tout change. C'est-à-dire que c'est une société où on se bat définitivement. Et quand vous finissez de vous battre, au soir de votre vie,
vous avez la retraite, ou bien vous êtes pris en compte, ou vous n'êtes pas pris en compte. Et nous sommes dans quel développement? Nous sommes dans quel développement? C'est ça le problème. Tout à l'heure, vous allez répondre à la question de M. Daniel Boum. Il dit que, je crois que cela est vrai, mais il faut que les personnes âgées s'actualisent. Chaque chose a ses réalités. Alors, pour lui, il faut une mise à jour par rapport aux réalités d'aujourd'hui. Nous allons à Yopougon retrouver M. Oumar. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de parler. Hein. Oumar, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous, Oumar. Vous appelez de quel quartier de Yopougon? Je suis de Yopougon, Jesco. Yopougon, Jesco. Voilà, on salue tous ceux qui sont avec vous là-bas. On vous écoute par rapport au sujet. En fait, moi, il y a quelque chose que j'aimerais dire aux gens. C'est qu'un village sans un vieillard ou une vieille, c'est pas un village. Vous dites un village? Un village où il n'y a pas de vieux. Mm-hmm. Ou dire de vieilles, c'est pas un village. Ce n'est pas un village. Oui, oui. Là, ça, c'est un proverbe peul. C'est un proverbe peul. Oui, oui. Voilà, pour montrer que il s'agit vraiment... Voilà, on ne peut pas vivre sans la hiérarchie, c'est eux. D'accord. Merci beaucoup. Merci, c'est une contribution. Oui. Voilà. Par rapport à la mise à jour tout à l'heure de M. Daniel Boum, qui croit qu'il trouve vrai tout ce qu'on dit, c'est vrai, mais chaque chose a ses réalités. Opinion. Mais mise à jour, qu'est-ce que c'est? C'est ça, mise à jour, c'est quoi? Ce sont les machines qu'on met à jour. Parce qu'ils sont faits peut-être par rapport à une période. Un homme, tant qu'il ne meurt pas, mais il est toujours à jour. C'est ça le problème, il est toujours à jour. Et il faut que les jeunes gens enlèvent de leur tête que le modernisme, c'est ce qui vient de l'Occident. Le modernisme, on l'a plusieurs fois dit ici, c'est l'ensemble de toutes les intelligences, que ce soit africaine, japonaise et autres. Le modernisme, ce n'est pas l'Occident, et puis ce qui est ancien, traditionnel, africain, non. Si nous voulons moderniser ce que nous avons comme tradition, c'est en ce moment qu'on parle de modernisme. Mais c'est pas ce qui vient d'ailleurs. Il n'a jamais dit que mettre à jour, ça vient de l'Occident. Non, maintenant, il dit de mettre à jour. Mais mettre à jour par rapport à quoi? C'est une façon de dire. Il veut simplement dire qu'il faut qu'on s'adapte à nos réalités. Aujourd'hui, c'est quoi? Ça veut dire que il faut dès maintenant réfléchir. C'est pour ça qu'on fait ces émissions. Il faut dès maintenant réfléchir dans la prise en compte de ces vieux. C'est ça le problème. Donc, il faut mettre à jour. Il dit qu'il faut que les vieux se mettent à jour. C'est ce qu'il dit. Excuse-moi. Est-ce qu'il a dit qu'il faut qu'on aussi se réfléchir par rapport à quoi et par rapport à qui dans la prise en compte de nos vieux? Ça fait partie de notre éducation. Est-ce qu'on est obligé de terminer comme l'Europe où les vieux terminent dans les centres d'accueil? Ou bien est-ce qu'il faut continuer dans notre culture et dans la façon de voir nos vieux? Je vais te laisser continuer. Il y a une parenthèse que tu as ouverte parce que je voulais chose. Vous, en Europe aujourd'hui, moi j'ai vu des documentaires où les jeunes gens comme nous préfèrent aujourd'hui envoyer les enfants chez leurs parents, c'est-à-dire que chez leurs grands-parents, pour que leurs grands-parents s'en occupent, au lieu d'envoyer les enfants dans les garden de mairie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe elle-même, qui avait des je sais pas comment on appelle ça, des centres pour accueillir les vieux, aujourd'hui a pris conscience que les vieux sont importants dans l'éducation des enfants. Et les enfants sont encore plus épanouis. Et j'ai vu ces vieux qui disent qu'aujourd'hui, ils aiment même plus les petits-enfants là même que les enfants. Et voilà une solution. Donc, en Afrique, on peut aussi adopter le même schéma. Je voulais juste dire à M. Boum. On a ça déjà. Et puis on traite nos parents de sorciers. Ah, mais oui. C'est pour ça que je vous dis que le problème vient de l'Occident. Sinon, moi, c'est quand ma mère vient chez moi à la maison, je rentre du boulot même à 21h si je veux. Parce que je sais que les enfants derrière moi. J'ai l'assurance que les enfants auront l'éducation que je veux. Moi, ce qui me fait rire dans la mise à jour, on prend le côté scientifique, par exemple. Vous savez que les Dogons, c'est les meilleurs astrologues du monde. Et même les scientifiques ont fait les études là-dessus, où ils ont parlé des planètes qui existaient à des centaines de milliers d'années-lumière de nous. Les Dogons en parlaient depuis les années 20. Bien sûr. Et c'est en 1900 que les scientifiques avec les machines ont découvert que c'était vrai. Donc, entre les deux civilisations, qui doit se mettre à jour? Parce qu'on parle de mise à jour. C'est la prise en compte. Écoute, cette réalité. Écoute, c'est ça que parenthèse pour dire que nos anciens, ils sont dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. En fait, c'est comme un livre religieux, c'est-à-dire ça parle du passé, du présent et du futur. Parce que c'était des grands penseurs, ils avaient prévu, ce n'est pas des gens
qui avaient réfléchi pour l'instant présent, ils avaient réfléchi pour le passé, pour le présent et pour le futur. Et pourquoi on fait dans cette émission? Si ce que tu dis existe, pourquoi on fait dans cette émission? On fait cette émission parce... conscience, en fait. Parce qu'il y a un problème. Très bien. Oui, alors... parce que le problème commence à s'installer. Ah, voilà, donc... Mais ça ne veut pas dire que le jeune... ça veut pas dire que nos anciens n'avaient pas prévu que ça allait arriver. Le problème, ce n'est pas que nos vieux ne sont pas à jour. C'est nous qui ne sommes pas à jour. C'est nous qui parlons, c'est nous qui savons maintenant. Cette mise à jour, ce n'est pas de ça que le jeune parle. Le jeune dit qu'il faut prendre en compte les vieux. Et donc, c'est cette mise à jour. Demain, on parlera d'accompagnement des personnes âgées sur ce plateau. Et déjà, un bon exemple du côté du Togo, dans la région de Kara. Il s'agit donc d'une structure du nom de CIDAP qui a commencé à faire des actions intéressantes dans ce sens, faire en sorte que les personnes âgées aient des situations réalisantes, qu'elles soient suivies et même mettre un cadre juridique pour vraiment les suivre et faire en sorte que ces personnes-là ne soient pas dans l'oubli. Hein. Merci beaucoup. Demain, on sera ici, on parlera d'accompagnement et comme vous le savez, cet accompagnement est cher à tout Africain digne de ce nom. Et comment cela peut se faire? Vos expériences, vos propositions vont nous intéresser pour outiller tout le monde dans le bon sens. Merci Aristide d'avoir été là. Merci. Mais on dit les xénophobes. Ah. Hein? Mais il y a son ami qui l'a appelé en disant que si c'est pareil, c'est pareil. Je suis Wolof, mais le Wolof en fait a habité aussi dans le grand groupe Malinké. Du coup, tu sais, moi je suis bantou, on a très bien. On a les mêmes cultures. En fait, il a dit je suis xénophobe parce que j'ai utilisé le mot comment. Comment c'est une formation. Parce qu'il y a le petit-fils de Zozo et puis un xénophobe. Moi, le petit bantou, je suis d'accord que je suis xénophobe. La chance que nous avons eue, je pense qu'on a eu la chance d'être éduqués par nos grands-parents. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on parle. Il y a une phrase même qu'on utilise à Malinké, quand tu sors une parole de sagesse, on dit tu es un fils d'un vieux. Voilà. C'est parce que la vieillesse, c'est toujours le savoir. Mais on dit vos vieux maintenant sont des sorciers, c'est ça le problème. D'accord. C'est des sorciers positifs. Vous retrouverez cette émission sur le site internet de la RTI. À tout de suite. On s'apprêtera pour demain. Diop, lorsque vous irez à la maison, vous tapez déjà et c'est sûr, on pourra revoir cette émission. Et demain, on se prépare pour l'accompagnement des personnes âgées sur le continent africain. Alors, comment réussir cet accompagnement-là? Comment faire pour que notre attachement à nos intérêts, à nos activités, à notre quotidien ne fasse pas que on oublie les personnes âgées. Merci Seydina également. Merci. Alors, votre réponse à Guy Défait. Oui, mercredi, je vais lui répondre. Vous lui donnerez la réponse lorsqu'il sera là, en face de vous. Et n'oubliez pas la mise à jour. Émission portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. Je le remercie tous ceux qui nous ont permis d'être chez vous. Hein. Sur le côté image, on avait Afoué et aussi M. Bamba, sans oublier Yacoub. Voilà, on se revoit demain, 13h15. Merci. Ne jamais